Vous connaissez forcément ces gars qui vendent le soya. Quand vous arrivez à la briqueterie, vous voyez un gars qui coupe le soya, il vend. Vous dites qu'il veut le soya de 1000 francs. Il coupe. Après, il met. Il dit que c'est bon. Comment il fait pour savoir que c'est pour 1000 francs qu'il veut le couper? Comment on fait pour savoir que ça, c'est 1000 francs? C'est pour ça que j'ai un conseil que je donne toujours. Quand vous voulez manger le soya, si vous partez chez les gars qui vendent le soya, vous voulez manger le soya de 5000, vous dites que donne-moi pour 500. Il donne pour 500, vous finissez de manger. Vous dites encore, donne encore pour 500. Après, donne, tu dis comme ça 10 fois. Parce que si tu tentes de venir, il dit que donne-moi pour 5000. Oh, il sourit, il sourit. Il va prendre le soya, il coupe la graisse, il coupe les trucs qu'il te donne. Mais le fait de fixer le prix du soya, c'est la spéculation. Ce n'est basé sur rien. C'est lui qui définit combien ça coûte. Du moment où il y a un seul acteur qui définit le marché, ça devient la spéculation. Parce que lui, il peut changer les règles du marché à tout moment. Parce que vous pouvez venir acheter le soya et dire que non, la viande est devenue chère au marché. Est-ce que vous étiez au marché? Lui, il dit qu'il était au marché le matin, la viande est devenue chère. Donc lui, il vend maintenant la brochette à 100 francs au lieu de 75 ou 50. Si tu ne veux pas acheter, tu pars. Quelqu'un d'autre va venir acheter. Et même quand le prix baisse sur le marché, il va dire que non, mon fournisseur, lui, vend la viande de qualité. Et c'est toujours cher chez lui. Il va dire que mon conteneur a été bloqué au port pendant 2 mois. Donc, tout dépend de lui. Et ça, c'est de la spéculation. Je prends un autre exemple. Ici, nous sommes dans ce local que nous louons. Le loyer coûte ici 450 000 francs. Avec les charges locatives et tout, on est dans les 500 000. Le prix du loyer, ça dépend de quoi? Qu'est-ce qui permet de dire que la maison, c'est 500 000? En fait, c'est la spéculation. Il n'y a aucune règle qui dit que ici c'est 500 000, 200 000, 300 000. Bon, quand vous venez pour prendre un loyer, on dit qu'il faut payer 24 mois. Qui définit ça? Le bailleur dit qu'il faut payer 24 mois, 2 mois de caution, arranger la lumière, machin. Hé, mon frère, c'est lui qui dicte comment ça va être. Et quand tu vas chez un deuxième bailleur, c'est une autre règle différente. La fixation du prix du loyer, c'est de la spéculation pure et simple. Quelqu'un peut avoir son terrain ici, il dit qu'il vend à 200 000 mètres carrés. Vous dites que non, c'est trop cher, à côté on vend. Ça dit que c'est mon terrain, non, mon frère. Il dit que c'est 200 000, non, mon frère. C'est pour qui? C'est mon terrain, non? Ok, moi, il vend à 200 000. Ça, c'est de la spéculation. Je prends un autre exemple, la COVID-19. Actuellement, il y a un débat magnifique qui est en train de se faire aux États-Unis. Parce qu'il y a certains pays qui ont une avancée technologique par rapport à d'autres et qui ont réussi à produire le vaccin dans un délai beaucoup plus court, comme les États-Unis, comme la Chine. Et directement, ces pays sont en train de commander, comme la Russie aussi, sont en train de commander le marché mondial des vaccins. Et le président Joe Biden est en train de se dire, d'accord, est-ce qu'on ne peut pas enlever la protection des brevets qui, en général, a un délai de 10 ans pour permettre aux autres au monde de produire des vaccins génériques rapidement et sauver la population avant qu'après on va voir comment on va faire. Mais les industries pharmaceutiques disent non. Nous, on ne peut pas travailler pour les autres. On va d'abord faire nos 10 ans normalement. On mange notre argent normalement. Les autres vont se battre après. Parce que vous savez que lorsqu'on met sur pied un médicament, la firme pharmaceutique qui a eu à mettre sur pied ce médicament et qui a donc les brevets dessus doit l'exploiter pendant 10 ans. C'est après 10 ans qu'on lève les brevets et que d'autres laboratoires peuvent produire des génériques. C'est pour ça que vous allez voir certains médicaments génériques qui vont coûter 1000 francs, 2000. Alors qu'il y a le même médicament avec une autre marque qui coûte 7000, 8000, 9000, 10000. La marque qui vend à 5000, 2000, 3000 là, en fait, c'est une marque qui a juste copié un brevet. Parce que pour pouvoir mettre sur pied un médicament, il y a des coûts. Il faut investir, il faut de la recherche, il faut payer des chercheurs, il faut des laboratoires. Et ces coûts-là, pour pouvoir rentabiliser ça, on leur permet donc d'exploiter le médicament pendant 10 ans. Et c'est après que les autres qui n'ont pas eu à faire tous ces investissements peuvent maintenant bénéficier de cette technologie-là pour pouvoir reproduire le médicament. Mais si vous suivez les courbes en ce qui concerne les industries pharmaceutiques, vous allez vous rendre compte que chaque fois que le président Joe Biden fait un discours sur le vaccin, il y a des fluctuations en bourse sur les entreprises pharmaceutiques comme Pfizer. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il va valider le fait que la licence sera octroyée aux autres pour qu'eux aussi puissent produire?
Parce que lorsqu'on a réussi à mettre sur pied le vaccin, les coûts en bourse de nos entreprises ont explosé. Parce que les gens voulaient investir dans nos entreprises pour pouvoir gagner de l'argent du fait que la planète a combien d'êtres humains? 7 milliards. Vous imaginez un marché de 7 milliards de personnes à vacciner? Deux doses. Quand un investisseur entend ça, lui veut investir dans l'entreprise qui produit le vaccin là. Mais maintenant, quelques mois après, on lui dit que l'entreprise qui a produit le vaccin où tu as investi, on va ouvrir le brevet à tout le monde. Il dit, hey, mieux revends mes actions, vite fais-moi et pars, parce que ça va cuire. Tout ça, c'est de la spéculation. Je prends un autre exemple. Voilà deux personnages qui font l'actualité chaque heure. Parce que ce n'est pas chaque jour, chaque heure. On dit que Jeff Bezos est le plus riche du monde. Deux heures après, non, il a été dévancé. Par Elon Musk qui est maintenant le plus riche. Après le lendemain, on vous dit que non, ça a encore changé. Qu'est-ce qui fait ça? En fait, ça découle de la spéculation toujours. Parce qu'en réalité, on n'est pas en train de compter l'argent qu'ils ont dans leur compte bancaire. On est en train de compter la valeur de leurs différentes actions dans les entreprises. Étant donné que la valeur de ces actions subit la spéculation, leur fortune aussi subit la spéculation. C'est pour ça que certains deviennent riches et peuvent redevenir pauvres le lendemain. Ce n'est pas basé sur un calcul mathématique rationnel. Alors, je vais prendre un autre exemple. Et ici, je suis en train de vouloir expliquer la spéculation. Parce que je prends un exemple. Supposons que je vends la chaise sur laquelle tu es assise. Et je te dis que je vends ma chaise à 15 000. Tu dis, non, j'ai trouvé la chaise sur le marché. On vend ça à 2 000. Je dis, va acheter au marché. Non, moi, je vends à 15 000. C'est de la spéculation. Vous allez voir une marque de vêtements qui vend un t-shirt à 500 000. Vous allez voir un gars comme Kanye West qui va prendre une chaussure. Il va mettre quoi à l'intérieur? Est-ce que vous avez suivi l'actualité? Il va mettre le sang humain. Non, c'est plutôt, oui. Il va mettre le sang humain. Et la chaussure va se vendre comme des petits pains. Et un nombre de modèles limités. Vous pensez que les gens achètent quoi? Le sang humain qui est là. C'est de la spéculation, tout simplement. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi les filiales de Startup Academy valent 5 milliards de francs? Vous comprenez maintenant, non? Pardon? Non, nous, on a décidé que c'est 5. Pour le moment. Pour le moment. Parce que il y a toujours cette question que les gens m'ont posée. Dis donc, toi, tu as fixé ça sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Je vous ai pris des exemples à l'international, en revenant même dans notre environnement où il n'y a aucune base. Maintenant, je vais aller plus loin. Parce que ce qui est formidable avec la spéculation, c'est que parfois, on peut même spéculer sans avoir de produit. Parce que nous, on fait même trop. Voilà les chocolats, vous pouvez acheter, vous sucer tout à l'heure. Il y a les produits cosmétiques qui sont là, vous pouvez acheter ça, vous mettez sur vous, sur les cheveux. Vous pouvez acheter le livre, vous lisez. Il y a un autre type de spéculation où il n'y a pas de produit. Il n'y a rien. Mais la valeur augmente sans rien. Qui peut donner un exemple? Oui, Nathan. S'il vous plaît, on l'écoute, Nathan. La taxe carbone, par exemple. Quand on vous dit que les constructeurs automobiles doivent payer une taxe carbone, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est terrible. Pourquoi tout le monde court vers les véhicules électriques? Tout ça, c'est de la spéculation. Et là, il n'y a même pas un produit qu'on est en train de vendre. Je prends un exemple. Les négociants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le négoce? Quand on fait le négoce, on vend quoi? On vend quel produit? On ne vend pas un produit. On vend la connexion entre deux personnes. On ne vend pas un produit. Parce que c'est un peu comme si, moi par exemple, j'ai une usine sur mesure, on produit des chaussures. Peut-être on produit 1000 paires de chaussures par semaine. Moi, je n'ai pas envie d'aller à Mokolo avec mes 1000 paires de chaussures, ça me perd le temps. J'ai besoin de quelqu'un qui va me mettre en contact avec ceux qui sont à Mokolo, qui vont venir acheter.
la personne là, lui, il vend quoi? Il ne vend rien. Il vend la connexion entre nous deux. Et il peut spéculer des deux côtés. Il peut dire que non, à Mokolo, maintenant, les chaussures sont chères. Hey, c'est trop cher. Les gens ne peuvent pas acheter la chaussure. Mais si tu mets ça à 2000, ça va aller. Il peut maintenant voir le gars là et dire que non, les chaussures sur mesure, c'est excellentissime. Dans ma 4500, je te réserve les 1000 qui viennent cette semaine. Le gars, s'il donne 4500, il donne 2000. Ce n'est pas lui qui transporte le produit. Hein. Il ne transporte pas le produit. Il prend les 4500, il donne 2000 là. Il dit que c'est bon, hein, tu peux aller livrer. Il est à la maison, sur son téléphone, il ne bouge même pas de la maison. Il vend quoi? Et il peut faire ça pour les sacs, il peut faire ça pour les téléphones, il peut faire ça pour les ordinateurs, il peut faire ça pour les assurances, il peut faire pour tout. Et tout ça, c'est la spéculation parce que quand il négocie et il fixe le prix là, il n'y a pas un standard qui dit que voilà le prix que tu dois fixer. Dans les filières de Startup Academy, valent 5 milliards pour le moment. Oui, parce que... parce qu'il y a encore certains résultats qu'on veut atteindre. Dès qu'on va atteindre ça, ça va augmenter. Et ce n'est pas pour rien qu'on crée Startup Kiosk. Parce que Startup Kiosk a pour but donc de pouvoir établir en temps réel la valeur de ces différentes filiales-là sur des plateformes en ligne. Pour que quelqu'un, à travers son téléphone, puisse voir que, hey, Startup Color, là, l'action, il y a 700 $. Hein. Il doit acheter maintenant. Et il achète, il n'a plus besoin de venir au siège. Il n'a plus besoin de m'appeler que Claudel, Colola, ça avance comment? S'il faut investir, qu'est-ce qu'il faut? Avant-moi les documents. Non, 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 s'il vous plaît, il n'y a pas de documents. Tu investis. Terminé. On ne se rencontre même pas physiquement. On n'a pas besoin de parler la même langue. Même si c'est un japonais, il prend l'application. Il dit, waouh, Colo, Cameroun. Waouh, it is good. $10, il met. Après, il prend même un algorithme d'intelligence artificielle qui va fonctionner comme un robot, qui va scruter les filiales des startups. Dès qu'une filiale, l'action monte là, il regarde, il vend vite. Dès que l'action descend, il rachète. Dès que ça remonte, il revend. Et ça se fait maintenant automatiquement par des algorithmes. Et l'application va permettre de le faire aussi. Ce n'est pas pour rien qu'on crée ça. C'est parce qu'on voit sur le long terme ce que ça va devenir. Alors maintenant, je vais faire une analyse en profondeur sur certaines filiales. Je ne vais pas faire sur toutes parce que si vous êtes membre depuis, forcément, vous connaissez. Je vais commencer par Startup Food. Alors, au départ, on a commencé avec Choco. C'était ça le produit au départ. On a lancé Choco. On a vendu le chocolat, on a vendu, on a sucé, on a fait tout ce que vous pouvez imaginer. Mais nous, étant donné qu'on sait ce que c'est que la spéculation, on ne jouait donc pas sur les éléments de spéculation. Que sur mesure. Actuellement, nous sommes en train de construire une usine sur mesure. Vous allez certainement voir en image là les maquettes de la réalisation que nous sommes en train de vouloir implémenter. C'est situé à la sortie ouest de Yaoundé, plus précisément à CAC 1. Et pour pouvoir faire ces travaux, vous n'avez jamais vu en ligne appel d'offres des architectes ou des ingénieurs qui vont venir construire cette usine. Non, parce que nous allons puiser dans la communauté que nous avons. Vous allez être un très bon architecte, un très bon ingénieur. Si vous n'êtes pas dans une communauté où il y a des personnes qui vous font confiance, vous n'allez pas gagner des marchés importants. Peut-être vous allez gagner de tout petits marchés, mais lorsqu'il y aura des vraies opportunités, parce que l'usine sur mesure, c'est des centaines de millions aussi, vous n'allez jamais gagner ce type d'opportunité. Si vous n'êtes pas dans un réseau, vous avez développé un certain capital confiance. Quel est votre réseau? Quelle est la communauté dans laquelle vous êtes qui va vous permettre de saisir des opportunités? Vous pensez que vous allez rester sur Internet, rester au quartier, dire que vous êtes compétent et on va vous sélectionner? Ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolé. Et c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ces enjeux que j'ai donc décidé de créer un réseau qui est ouvert à tous, dont les conditions d'adhésion sont des plus transparentes. Et j'ai décidé d'appeler ce réseau le Claudel Noubissier Business Group. Le Claudel Noubissier Business Group, c'est un groupe de personnes qui ont décidé de se mettre ensemble, chacun en fonction de ses compétences, afin de pouvoir, un, effectuer des partages d'expérience, 2, partager des opportunités d'affaires, 3, parler de business et 4, faire en sorte qu'ensemble nous puissions développer des projets qui vont nous permettre individuellement de pouvoir nous développer et permettre au groupe de pouvoir être beaucoup plus performant. Le Claudel Noubissier Business Group. Ici,
j'ai la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui, c'est 300 personnes qui ont décidé de rejoindre le Claudel Nobissier Business Group. Et chaque jour, dans le groupe, j'envoie la mise à jour des membres du groupe. C'est-à-dire, c'est une base de données dans laquelle vous avez les noms, les numéros de téléphone, les professions, les adresses e-mail. Et nous interagissons dans le groupe afin que chacun puisse bénéficier de l'expérience de l'autre. Aujourd'hui, c'est plus de 300 personnes qui sont déjà dans ce groupe. De lundi à vendredi, j'effectue ce qu'on appelle une chronique business. Ça veut dire, je réalise une vidéo en prenant un secteur d'activité que je vais décrypter et je vais envoyer dans le groupe. Le groupe, il est fermé de lundi jusqu'à vendredi. Personne ne parle. Parce que lorsqu'on est un entrepreneur, lorsqu'on veut saisir des opportunités, on n'a pas besoin d'être dans un groupe où, lorsqu'on va se déconnecter pendant 2 heures, on va revenir voir 5000 messages. Non, dans le groupe, on ne parle pas. De lundi à vendredi, le groupe est fermé. Et dans le groupe, vous avez donc une chronique business que je réalise moi-même et j'envoie dans le groupe. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le samedi et le dimanche, le groupe est ouvert. Ça veut dire que tous les membres du groupe interagissent. Posent des questions sur les chroniques de la semaine. Partagent leur expérience. Proposent des opportunités aux autres membres du groupe. Par exemple, j'ai un chantier, je recherche un ingénieur dans le groupe. Une autre personne va dire, j'ai un poulailler, je recherche un vétérinaire. Une autre personne va dire, j'ai une structure hospitalière que je suis en train de construire. Je recherche une entreprise qui va conduire les travaux. Un autre va dire, je recherche un graphiste, etc. Chaque jour dans le groupe, il y a donc des personnes qui recherchent des compétences. Et c'est à ce moment donné que le networking entre en jeu. Et toi, tu pourras donc, à travers toutes ces personnes, trouver des opportunités et les saisir. Parce qu'en réalité, c'est comme ça qu'on bâtit son réseau. Et chaque jour, lorsque j'effectue une chronique business, j'envoie la mise à jour de la base de données des membres du groupe. Pour que ça permette à chacun de faire du networking. Pour que ça permette à chacun de pouvoir interagir avec les autres. Et c'est comme ça qu'ensemble, on se développe. C'est comme ça qu'ensemble, on saisit des opportunités. Moi, aujourd'hui, quand j'ai un travail que je veux effectuer, je prends la base de données, je fouille. Si je trouve quelqu'un qui a le profil que je recherche, je le contacte. Je lui propose le travail. Et s'il peut le faire, on le fait ensemble, directement. C'est pour ça que j'ai créé dans ce groupe. Et pour éviter que nous soyons dans un groupe où il y a des blagueurs, où il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, ou alors ils s'ennuient en ligne, ils ont vu que Claudel a créé le Claudel Nobissier Business Group et ils veulent directement adhérer pour venir raconter des bêtises, j'ai mis une barrière à l'entrée. Ça veut dire que l'accès au groupe est payant. Pour accéder au groupe, ça coûte 10 000 francs par mois. Si vous êtes à l'étranger, ça vous revient à 25 euros par mois. Et vous devez payer minimum 3 mois. Pour rejoindre nos groupes. Donc, vous devez payer minimum 30 000 francs si vous êtes au Cameroun pour rejoindre nos groupes. Et après les 3 mois, bien évidemment, vous devez renouveler, sinon vous êtes éjecté du groupe. Et si vous souhaitez bénéficier des opportunités comme par exemple la tontine structurelle que nous allons commencer en janvier 2022, qui va nous permettre de pouvoir toucher les domaines comme l'immobilier ou alors plusieurs autres secteurs d'activité dont tous les détails sont dans le groupe, vous devez payer minimum 12 mois. C'est-à-dire 120 000 francs si vous êtes au Cameroun. Oui, je sais que c'est coûteux. Beaucoup de personnes vont me dire, comment est-ce que adhérer à un groupe, ça coûte aussi cher? Moi, je vous dirais même que c'est rare de trouver un groupe où on vous donne même les conditions d'accès. Parce que la plupart des groupes qui existent de façon similaire, vous ne savez même pas que ces groupes existent. Ce sont les personnes qui se mettent ensemble, qui décident dans un réseau secret de se partager les opportunités entre elles, ces personnes. Moi, je vous donne la possibilité d'intégrer un groupe qui est transparent, dans lequel vous allez retrouver d'autres personnes. Je vais vous envoyer régulièrement la base de données des membres du groupe. Vous pouvez vous rencontrer. Les frais d'accès, c'est 10 000 par mois. Ça veut dire que vous pouvez même décider d'entrer dans le groupe pour 3 mois, de bénéficier des opportunités dans le groupe, d'avoir accès à notre chaîne YouTube privée où vous avez toutes les chroniques que j'ai déjà publiées depuis le début. Parce que l'avantage, c'est que même si vous intégrez le groupe aujourd'hui, vous allez avoir toutes les informations depuis la création du groupe, c'est-à-dire depuis le 30 octobre jusqu'à ce jour. Vous ne perdez aucune information, même si vous entrez dans le groupe aujourd'hui. Oui, c'est payant, je sais, que c'est peut-être cher. Oui, vous allez trouver, mais je trouve aussi que c'est très cher lorsqu'on est compétent et on n'arrive pas à saisir les opportunités.
c'est plus douloureux d'être compétent et pauvre, d'être compétent et misérable, d'être excellent mais ne pas pouvoir saisir les opportunités. Ça encore, c'est plus triste. D'avoir bac plus 20, mais ne pas être capable de trouver un emploi, ne pas être capable d'exprimer même ce qu'on sait faire, ça c'est plus triste. Et c'est pour éviter ça que j'ai donc décidé de créer le Claudel Nombissier Business Group. Si vous trouvez qu'un groupe pareil vous intéresse, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, de vous inscrire et nos équipes vont vous contacter afin de vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe qui va vous permettre de saisir des opportunités et de faire du networking en rencontrant d'autres personnes partout à travers le monde. Parce que qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous nous suivez, vous pouvez rejoindre le Claudel Nombissier Business Group. Un groupe où nous parlons business, opportunités d'affaires, retour sur expérience. Vous bénéficiez des chroniques chaque jour, mais surtout un groupe dans lequel nous effectuons des tontines structurelles qui nous permettent de pouvoir mettre sur pied des projets. Si c'est un groupe qui vous intéresse, si c'est un groupe dans lequel vous pensez que vous pouvez saisir vous aussi une opportunité ou alors proposer une opportunité et trouver des personnes qualifiées, des personnes de confiance avec qui travailler, sachez que la bonne adresse, c'est le Claudel Nombissier Business Group. Donc, vous avez une seule chose à faire pour nous rejoindre, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et ensemble, nous allons bâtir une Afrique forte avec des Africains qui ont décidé et qui ont compris l'enjeu de se mettre ensemble afin de pouvoir se développer. Retrouvons-nous dans le Claudel Nombissier Business Group. NRC, le monde à notre porte.